Avec lui, c'est toi. Je me demandais où tu étais et si tu allais enfin arriver. J'avais même fini par penser que dans cette vie, je ne te rencontrerais pas. Heureusement que tu as trouvé ton GPS. Parfois, il faut pleurer toutes les larmes de son cœur pour enfin trouver un sourire. Le jour où j'ai su qu'on serait lié à vie, c'est ce dimanche où je t'ai vue seule et que tu m'as prise dans tes bras. Si fort et si fragile à la fois, tu es entrée dans mon cœur pour l'éternité. Te rencontrer m'était destiné. Il n'y a pas de hasard dans cette vie et j'ai le sentiment d'avoir été faite pour toi. Je te fais confiance, mon étoile. Je te laisserai toujours faire selon ton cœur, car je sais que tu as la main de Dieu posée sur toi, que tu es dans le creux de la main de Dieu, et que ton chemin de vie rayonne. Tu es notre guide. J'ai confiance en ton intuition et ton âme. Je te remercie pour tout ce que tu donnes vie en moi. Je remercie l'univers de t'avoir. Je serai toujours là pour veiller à ce que ton âme scintille et protéger ton cœur pur. Je suis l'étoffe, tu es la soie. Aussi longtemps que tes yeux seront posés sur moi, je t'aimerai. Je prendrai soin de toi,
te protéger, t'écouter, te respecter. Je resterai toujours ta fidèle complice, ta confidente, ta conseillère, ta protectrice. Quand papa est parti, j'ai eu pour la première fois peur de la vie. Depuis que tu es à mes côtés, j'ai retrouvé un bouclier. Merci pour ça. Il n'y a pas un jour sans que tu m'éblouisses de ta lumière. Tu allumes chaque parcelle de mon cœur avec une mosaïque d'émotions rares. Tu me fais rire et égayes notre quotidien. Tu me touches avec ta tendresse et ton âme d'enfant. Tu m'émeus avec ta simplicité et ta grande, grande humilité. Je t'admire pour toutes ces grandes qualités humaines et de partage que tu as, et surtout ton inébranlable foi. Tu es un homme bon, un homme de parole, un homme humble, aimant au cœur pur. Tu es un papa merveilleux, un fils attentionné. Tu as adopté ma famille, maman, Harry, Uma et surtout Oriane, ton amour. Je suis très fière de toi. Tu es une âme d'exception. Tu es mon étoile. Merci d'exister. Alissa, je t'offre cette alliance pour te dire merci. Merci aussi d'exister et merci à l'univers de m'avoir envoyé cette branche que tu es. Merci. Alissa, je prie du fond de mon cœur. Je demande au Créateur de l'univers qui t'a entendu que tu sois celle aux côtés de qui et celle qui t'emmènera les yeux. Merci. Je suis Madame Pauline. Monsieur et Madame Collier, Monsieur et Madame Alpha Blondie. Excusez-moi, voilà, si je suis en train de vous déranger. Excusez-moi si mon direct va vous déranger, ça a choqué certaines personnes. Bon, c'est la nouvelle génération et on fait la musique coupée du calme. Voilà. Le coupé décalé est un mouvement. Je vous dis tous les jours comment expliquer. Je vous dis que le coupé décalé est un mouvement qui ne va pas tomber et ça ne va pas tomber. Voilà. Mais je fais ce direct pour parler d'abord à mes amis de la nouvelle génération. Vous comprenez, non? Voilà. Vous voyez, il y a eu plusieurs générations, il peut dire qu'il y a eu 2 à 3 générations, si je ne me trompe pas. Et là maintenant, on est dans la génération de Ramsès, Salvador, Ariel Chouchou de Salvador, Safarel Obiang, DJ Mouasco, etc. Et j'en passe. Vous comprenez, partagez le direct, hein. Partagez le direct. Voilà. Parce que j'ai remarqué un truc.
les gars sont devenus trop chocos. Les gars sont devenus trop chocos. Salvador, Ariel Chené, Juju Bébé Salvador, Safarel Obiang. Je ne sais pas c'est pour quel contexte. Depuis le départ du VP Arafat, normalement, vous avez parlé ici, vous avez dit, vous avez parlé, vous êtes nous tous on a eu mal. Mais il y a remarqué que Jean, vous êtes trop dans votre confort façon là, vous êtes trop assis chez vous, vous êtes trop dans votre chocoya, vous êtes trop dans une cam, je ne sais pas. Si vous êtes paresseux, je ne sais pas. Si parce que vous êtes trop jet maintenant, vous me dites quoi, c'est jet là, chacun a son jet. Chacun vit au dépend de ses moyens. Chacun a son jeton, chacun est dans sa gamme, chacun tabac comme il veut. Il n'y a pas quelqu'un qui a s'élevé pour aller prendre crédit chez son ami. Je ne sais pas comment il va vous expliquer. Mais les gens sont en train de dire que couper des calibres va tomber. Il y a l'un qui va faire directeur de vous parler. Je ne sais pas si Ariel Chené, je ne sais pas si Jean, il se voit trop en quelqu'un qui est devenu trop champion. Ou bien c'est quoi? Voilà pourquoi il ne sort plus. Non, champion, moi, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu es mon ami. On se connaît, c'est pas aujourd'hui. Tu es mon ami. On dit vieux père, là, n'est plus là. Les morts vont en profiter de ça pour s'asseoir sur nous. Toi, tu es assis, tu es là, tu fais un chocolat, ouais, c'est chédé, ouais, c'est fireball. On n'est pas dans ça, frère. Nos vieux pères là, quand ils étaient en train de se battre pour couper les calais, chaque jour, ils étaient dehors. Vous comprenez? Chaque jour, les gars, ils étaient dehors. Chaque jour, les gars étaient dehors. Lundi au lundi, ils sont dehors. Même s'ils rentrent chez eux, sans cinq francs, ils n'ont plus rien sur eux. Ils n'ont plus rien sur eux là. Ils sont dehors. Ils vont se battre pour un mouvement qui a les mains d'un bon, système. Et Safarel Obiang. Avant Safarel Obiang, tous les jours, il est dehors. Tous les jours, il est dehors. Souvent, même, tu regardes mon ami là, même, tu vois ici là. Tu vois ces scènes là. Tu te dis que, ah frère, moi, est-ce que mon corps là, il dort? Est-ce que mon corps là, il dort même? Mais il y a remarqué que les gars sont, comment expliquer, les gars sont dans leur confort, ils sont assis chez eux en peace. Et c'est pas si Jean s'est caché là qu'il les rend bon, mais c'est quoi? Et moi, ce que tout cela, et moi, ce qu'il a grossi, et c'est pas qu'on lui parle, et c'est pas c'est quoi. Et Salvador, toi, tu es parti au Canada, tu es parti en banque, tu es parti faire tes mouvements. Quand, faut pas faire vite, tu es revenu, on va commencer à se battre, on fait nos mouvements. Restez là toujours, Jean, dans vos conforts. Puis, demain, quand les gars vont se lever, ils vont venir dire qu'ils n'ont que coupé des galères tombées. Vous allez voir ici. Non, mais c'est la vérité. Soyons sérieux, c'est la vérité. Soyons sérieux, c'est la vérité. Soyons sérieux, c'est la vérité. Laissez vos gammes de confort. Laissez vos gammes, vous êtes dedans, Jean. C'est trop moins Ariel Chené. C'est trop moins Safarel. Laissons ça. Il est dit, on doit être dehors tous les jours. Le seul fait d'être dehors seulement chaque jour là, quand les gens vont nous voir là, ils vont nous respecter, ils vont nous bougner, ils vont. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour dire que non, couper, décaler, comme expliquer, couper, décaler va tomber. Non, le pouvoir là, c'est dehors. Inspiration là, c'est dehors. C'est ce que vous n'avez pas compris. Non, mais il y aura là, chaque jour, il était dehors. Moi, il me rappelle, chaque fois que il travaillait à la rue Princesse, il ne travaillait pas dans un bar de la rue Princesse, il travaillait dans une petite boîte, une petite buvette même. Vous voyez, non? Dans une petite buvette, c'est juste derrière la rue Princesse, dans le quartier Ouassakaral. C'est-à-dire que quand tu vois Ciné Cool, ceux qui connaissent la rue Princesse, là, il y a un carrefour là, il y a un carrefour, on appelle ça Ciné Cool. Quand tu rentres là, il y a un studio là-bas, là. C'est le studio de Novi Pest. Tu vois comment expliquer le vieux père? Il s'appelle Sniper. Quand le vieux père là, quand il venait chez lui, là, il m'a dit, mon petit, va travailler dans le bar de la VMS. C'est pas dit travailler dans le bar. Et à chaque fois, quand il finit, chaque jour il y avait soirée caliente. Soirée caliente, ce sont les filles qui viennent danser en sous-vêtements, en maillot de bain sur les gens. Vous voyez un peu, non? Les filles là, quand elles finissent de faire le truc, comment expliquer, les gens ont fini de faire, la soirée est finie, chacun rentre chez lui. Donc là, moi je sors et même me chercher. Chaque jour que Dieu fait, que les filles débarrassent ici à la rue Princesse. En ce moment, c'était Jackpot. C'était Abidjan. Et puis il y a quelques autres maquis encore là. Yoro était toujours dehors. Le vieux père, il était toujours dehors. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il était toujours dehors. Kecheva, Mix, Venom. Tout, il y a dit tous les artistes du coupé décalé étaient tout. Le Serge Benoît, mais que vous voyez là. Tout. Mais c'est parce que les vieux bras là. Maintenant, là, ils ont tout trop fait. Ça va être, n'a pas trouvé que Serge Benoît. Ariel Chené, t'as pas trouvé que Serge Benoît. DJ Mosco, tu n'as pas trouvé que Serge Benoît. Vous tous là,
Nous tous ici, on n'a pas trouvé que Serge, mais on n'a pas trouvé qu'Arafat. On n'a pas trouvé même que Mix. Vous comprenez? On n'a pas trouvé que tous ces vieux pères là. Mais quand on vous parle, qu'il fait direct, je ne sais pas si vous regardez, je ne sais pas si vous êtes dans votre cas, vous pensez que non, genre c'est buzz. Moi, je ne sais pas si vous, moi, j'ai buzz. C'est pas si vous, moi, j'ai buzz. Moi, je vais vous donner un conseil. Pour pas vos lourds, pour pas vos cachets ou bien vos spectacles que vous partez faire de les autres, qu'on va vous blaguer, c'est zéro. D'un moment à l'autre, ça peut tomber. Si on n'est pas toujours dehors, on n'est pas toujours dehors, on n'est pas toujours dehors, moi, je vous dis, ça peut tomber. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Mais si on doit maintenir le cap là, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Si vous ne m'écoutez pas, ça va arriver. C'est un conseil qu'il est en train de vous donner. Vous pensez que non, c'est l'amusement. Genre, vous êtes. C'est zéro. Quittons dans nos zones de confort. Quittons dans nos zones de confort. Pour ceux qui me suivent en direct, s'il vous plaît, partagez le direct. Là, comme ça, ça va arriver chez eux là-bas. Ça va arriver chez eux là-bas. Je sais qu'il y a d'autres qui ont dit, mais tu peux pas les appeler. Non, moi, je ne vais pas les appeler. Il y a parlé devant tout le monde ici. Là, comme ça, tout le monde va savoir que non, j'ai essayé de parler à mes amis. Là, demain, s'il y a un oué, vous allez savoir que non, Jean, c'est ce que j'ai expliqué là. C'est ça qui est arrivé. Ok, je rentre dans le sujet. Je suis au travail et j'ai vu que j'ai reçu beaucoup d'appels. On me dit, ouais, le ministre, le DEF, Chicana, ils sont 10 d'or. Faut nous confirmer, c'est quoi. Je ne vais pas confirmer un truc comme ça. Vous ne pouvez pas m'appeler, moi je vous connais, puis moi je vous confirme. Non. Donc pour tous ceux qui m'ont appelé, m'envoyer un message là, je ne pourrais pas vous confirmer. Il fallait que je me connecte dans les réseaux pour pouvoir rentrer en contact à ceux qui devaient être en contact avec eux. Voilà. Donc j'ai eu mes informations. Donc je vous annonce officiellement. Ceux qui font ça là, c'est pour juste distraire les Chinois. C'est juste pour vous distraire. Son nom souhaite avoir le 10 d'or, mais on n'a pas quoi le 10 d'or. Voilà. Son nom souhaite avoir le 10 d'or, mais on n'a pas quoi le 10 d'or. Ceux qui font ça, c'est juste pour attirer de l'attention, c'est juste pour... Sinon, si 10 d'or, si il y a rapport avec 10 dollars, ceux qui sont, je ne sais pas qui viennent informer les gens sur les réseaux sociaux, mais ils sont trop mal placés. Tant que Ban Ki-moon n'a pas officialisé, tant que l'entrée de Biakba n'a pas officialisé, tant que Ali Loko n'a pas officialisé, tant que Van Trezor n'a pas officialisé, tant que la famille d'ici n'a pas officialisé, je ne vois pas qui d'autre qui va officialiser à la Chine qu'on a les 10 d'or en France ici. Je suis le propriétaire de la Tour Eiffel, c'est moi qui gère par d'abord. Et puis je suis le premier ministre de Arafat. Donc quand il y a un moment comme ça, je suis le plus bien placé pour être au courant et puis venir vous informer. Je ne sais pas qui ou bon, comment la personne est venue mentir aux gens. Mais en tout cas, on n'a pas quoi les 10 d'or. C'est regrettable. On n'a pas dit qu'on ne va jamais avoir, on va la voir, mais on n'a pas quoi les 10 d'or. Donc ne soyez pas distrait. Voilà, ne vous laissez pas berner par certaines personnes qui veulent juste attirer de l'attention pour se faire un peu voir ou bien voilà, créer un peu les buzz. Donc, je vous dis, on n'a pas quoi les 10 d'or. Quand j'ai eu l'information, je suis rentré en contact avec ceux qui devaient être en contact avec eux. On m'a clarifié qu'on n'a pas quoi les 10 d'or. Mais en tout cas, on n'est pas loin. Je n'ai pas trop de détails parce que c'est un film hors des réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas trop comprendre. Souvent, quand il fait beaucoup de grèves, souvent, il y a des trucs qui ne rentrent pas dans le sujet. C'est parce que vous pouvez... si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre. Mais nous, on est au courant. Nous, les vrais éléments, on est au courant. Mais vous, les fanatiques, vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez, non? C'est pourquoi quand il fait mes grèves, souvent, vous pensez que je ne sais pas que c'est distrait. Pourtant, ils ne sont pas distrait. Mais je prends les vraies informations. Parce que moi, je ne vais pas les dire parce que vous faites direct. Voilà. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Il faut parler lorsque c'est important. Vous comprenez un peu. Donc, on n'a pas encore les 10 d'or, mais on va la voir. En montant de ça, on doit avoir ces 10 d'or. Ne vous inquiétez pas, restez tranquille. Il y a la réédition qui est en cours. On va prendre nos 10 d'or au calme. Qui a dit qu'on ne va pas avoir? Mais il faut que ce soit distrait, c'est un chinois. Voilà. Donc, on doit continuer à payer l'album. On doit continuer à streamer. La réseau va sortir, nous tous on va acheter. Voilà, chacun va faire ce qu'il a fait. Tôt ou tard, on va monter, on va descendre, c'est 10 d'or, on va le prendre obligé. Voilà. Mais on n'a pas encore eu l'information qui circule actuellement, on n'a pas encore les 10 d'or. Voilà, je ne voulais pas parler parce que moi je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux et nous on sait que non, c'est pas encore certifié. Donc du coup, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages, il faut nous confirmer, il faut nous confirmer. Je ne veux pas confirmer quelque chose qui est faux. Il faut confirmer ça comment? Donc comme on a trouvé les personnes dans les PV, j'ai décidé de faire une vidéo officiellement pour vous parler. Comme ça, chacun sera informé. Sinon pour le moment, on n'a pas encore les 10 d'or, mais on n'est pas loin et on va la voir. Voilà. Donc c'était l'information d'urgence. 6 heures.
Voilà. Mais en tout cas, 10 doigts, ça va pas obligé. Et puis, en passant, continuez de streamer. Hein. Ceux qui n'ont pas acheté l'album, continuez d'acheter l'album. Ceux qui n'ont pas streamé, continuez de toujours streamer. Il n'y a pas de temps pour avoir 10 doigts. Quand son temps arrive, on va prendre. C'est ça qu'il s'agit. On n'a pas encore ça avec quelqu'un. De toute façon, le vieux mois n'est plus. Donc, les Chinois, on n'a pas encore eu de 10 doigts, donc calmez-vous. Hein. Calmez-vous. On va la voir. On met des prêts pour venir à Divin, Jensen, Chap Chap, on veut bien mon programme. Et des prêts à venir Jensen même. Donc je ne peux pas mélanger mon moment avec le Jensen. Je vais couper les directs avec les titres. Dans 15 minutes, je vais réactiver le direct de mon Jensen. Parce que là, tout le monde, j'ai plus les bons gigas pour parler là. Pendant cela, il faut réactiver les faux gigas.